Mehdi Bounjema, 31 ans, hors taxe. T'as l'honneur. Anthony Aléo, 29 ans, pilier gauche. Je m'appelle Charles Brayer, j'ai 24 ans, 3e INEL. Leader de combat, la mêlée, les pizzas. La mêlée, le saut en touche et les passes de 30 mètres. La défense, la touche, le combat. J'ai joué pendant 5 ans à Pau, quelques mois à Narbonne, 2 ans et demi à Angoulême, 1 an à Albi et puis maintenant le VRDR. J'ai été international marocain, on a été champion d'Afrique. On a gagné une Coupe d'Afrique. J'ai commencé le rugby à Sifour, ensuite j'ai évolué en senior 2 saisons à la Seyne-sur-Mer, ensuite à Oloron-Sainte-Marie pendant 3 ans. Et ensuite j'ai fait 1 an à Montauban et 1 an à Béziers. Et je suis arrivé après à Montauban. À 18 ans, je suis parti à Brive-la-Gaillarde où j'ai joué 3 ans. Et ensuite j'ai évolué à Mont-de-Marsan pendant 4 ans. Le stade qui t'a le plus marqué en tant que joueur? Alors le stade qui m'a le plus marqué, c'est l'Arabine à Vannes. Car c'est un des seuls stades en Pro D2 qui est vraiment plein tout le temps et où il y a une excellente ambiance. Moi il y en a deux. Il y a forcément le hameau quand j'ai joué à Pau parce que c'était des souvenirs magnifiques avec la Oñada. Et comme on a été champion de France, franchement c'était des très 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 beaux souvenirs. Et aussi à Marcel Michelin, parce que je trouvais que pareil le public était exceptionnel et un très beau stade. Pour moi il y en a deux ou trois. Enfin, on va dire il y a le premier c'était le Stade de France, parce qu'avec la sélection du Béarn, on avait été en finale de la Coupe de Confédération. Et on jouait en ouverture de la finale top 14 2015. Et ensuite il y a le stade marqué à la Seyne et un peu au Oloron, avec de bonnes phases finales et de bonnes ambiances et des trucs sympas sur le terrain aussi. Là-bas. Messieurs, j'ai une question pour vous deux. Qui est le plus fêtard entre toi et toi, premièrement, selon toi? Je pense que c'est moi. Hein. Je pense aussi. Je pense aussi. Ah, ouais. Et selon toi, maintenant, qui est le plus fêtard au sein de l'équipe? Ouais, une petite pièce sur le petit Guillaume, non? Guillaume. Et Léopold, ouais. C'est pas mal aussi. Ouais, voilà, ouais, après, en plus, c'est vrai que je le dépasse souvent après la vitesse, Léo. Allez, j'y vais. Chaîne. Soirée entre potes ou en amoureux? Bon, entre nous, soirée entre potes. Et vu qu'il y a les caméras, en amoureux. Voilà. Allez, le meilleur pour la fin, t'es. Qui met le plus de temps à se préparer dans le vestiaire entre vous deux? Dans le vestiaire. Dans les vestiaires. Je pense que c'est moi. Je suis très très long. Toi, je pense que t'es carré. Ouais, je suis rapide. Ouais. T'es souvent torse nu dans, c'est vraiment... dans les couloirs. Ouais. C'est vraiment... Alors, les gars, on va vous demander de chanter la chanson de la Reine des Neiges. À vous de jouer. Oh les 4. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. C'est décidé, je m'en vais. Je ne suis pas là et je suis pas ici. Perdu dans l'hiver pour le prix de la liberté. Bravo! Bon. On a hâte de vous revoir au stade Georges Pompidou. À bientôt. Allez, allez, allez.